Ah, ça m'a fait rire. Mon poignet, il a craqué tellement j'ai fait un tour de souris pour l'avoir. Fait des mois, un autre jeu que j'ai pas joué, mais Ursa Major, c'est pas spécialement le truc que je joue le plus. Bon, on va voir. Mon obsession, c'est qui? C'est Meg, la Meg TTV. Ok. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas. Et oui, je peux te stalker lui comme ça quand même. Oh! Bon, on va la live. On est bien là. Quand je te dis qu'on est bien, c'est qu'on est bien. Pas vu s'il y avait des lampes, des trucs. Bon, on va piquer comme ça, comme des piqueurs de l'extrême, hein. Ouh là là, mais il y a fusion. T'as fusion sans avoir fusion. Dis-moi. Ah, mais c'est mon obsession. Ah, j'aurais dû la laisser s'échapper pour... Non, je sais pas. Les amis, les amis, les amis. Est-ce que vous êtes encore sur votre gène là-bas? Oui, évidemment. Non, ça, c'est moins cool, par contre. Ça, c'est vraiment moins cool. Est-ce que j'ai le temps? Ouh, il est limite celui-là! Il est très limite celui-là! Hein. Je me sens dans la peau d'un russe. Pas legit. Il avait pourtant il a touché quoi. Est-ce qu'il était vraiment legit? C'est pas sûr, mais bon, il a touché. Je me sens comme un russe là, dans la peau d'un russe. Oh, quelqu'un fait son glyphe. Ça, c'est ma Meg. C'est ma Meg. Qui est pour ma perc là. Bon, je laisse échapper. C'est bien ça le principe de la perc, hein. Ouais, c'est ça le principe de la perc. So it's fine. Elle a frotté la fenêtre, mais j'ai même pas vu qu'il y avait une fenêtre. Hein. Donc bon. Là, c'est un spot très très moyen quand même. Tararirara. Ah, bien joué ça. C'était pas mal joué, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué. Bon, on va hook n'importe où, hein. Fallait qu'on arrive à reprendre la Meg en un jeton. C'est pas mal, ça. On vient de passer la pétrole sur la Feng. Ah, la Feng, je la vois baby Feng, tu vois. Je me suis dit, elle va ressauter direct. Vas-y, je vais pas avec les tomber. Je vais waste toute ma pétrole là-dessus. Et après, attends, mon jeton, je le repère? Je le repère, genre? Ouais. C'était un peu ballsy, mais bon, au pire, la jette, elle est obligée, parce que sinon, elle prend le hit. Donc, en soi, c'est fine. Feng est là-bas. Peut-être on peut aller prendre celui qui a pris la save. Oh non, c'est loin, c'est loin. On va revenir sur Feng, tant pis. Oula! Un peu moyen comme move, Feng, là. Un peu moyen. On va les mettre à la cave. Cette map, ce qui est bien, c'est que quasiment partout où tu down, tu peux mettre à la cave. Si tu joues poigne de fer et ou agitation, tu peux mettre à la cave quasiment depuis toute la map en fait. Bon, ils ont pas trop mal fait leur gêne. Est-ce que par là-bas peut-être? Un troisième gène. Je l'ai perdu. Je veux qu'elle saute cette fenêtre. Ah, je veux plus, je veux plus, je veux plus.
cave. Ok. Je vais laisser s'escape là, mec. Comme ça, j'ai mon stack de trucs mûches. Et là, c'est qui là-bas? C'est la Talita. Après, j'ai mon jeton. Et si je reprends la chaise et que je la relaisse escape, est-ce que ça remarche? On est presque P3 là. Ok, elle a eu peur, je pense. Elle a eu peur, je pense. Diffusion. On va peut-être essayer de mettre sur la colline ici, ça peut être sympa. Ça peut être sympa sur la colline ici. Ouais, surtout blessé à part mon obsess, alias Meg. Ce qu'on peut, c'est... Il y a la Feng là-bas. On peut essayer de faire déjà ça. Ouh, un gène. C'est que ça devient compliqué. Alors par contre là... Ah ça m'a fait... Mon poignet il a craqué tellement j'ai fait un tour de souris pour l'avoir. Il a craqué. Bon ils sont tous blessés, est-ce que c'était le meilleur move? Vas-y en vrai je pense que c'était pas si dégueu hein. Il y a du monde... Non c'était la même ou il y a du monde par là? Ce qu'il me reste comme gène, il me reste... Bon, on va rester dans la zone ici. Hein. Mon Genesha, ils vont jamais le faire. Ils pourront jamais. Le plus probable, c'est l'un des deux, lequel je ne sais pas. On va voir, lui, quand même, par précaution. Ah, il faut pas. Par précaution, il y a qui? Il y a la Meg ici. Il me fait un jeton. Ah, c'est l'autre qui a fusion. Gêné, il est pas tant un peu ça. Hein. On est pas mal sur cette game normalement. Hein. On est pas mal. Oula, fusion, c'est horrible cette perk. Ils sont tous P2. Ah non, il y en a un qui est P1 encore. Oui, qui est P1. Normalement, voilà, c'est terminé, mec. It's over. Meg, je pense que c'est fini. Oui, mec, c'est fini. Le gène, il est destroyed. Ah, ils ont fait 4 gènes, quand même. Hein. La game a été assez équilibrée, je trouvais. J'ai pas entendu quelqu'un, là. Non, je crois que c'est moi-même que j'entends marcher. Ah, j'ai vu un corbeau s'envoler par là-bas. C'est pas l'eau, là, mon vieux. Ah, c'est rouge, alors je peux pas stalk. C'est la deuxième Meg. Oh, elle prend pas la fenêtre. Elle prend pas la fenêtre. Oh, elle a pas de drop. Et là, elle a drop. C'est un bon move. Elle joue pas si dégueu cette mec là. Ok, belle feinte. Oh, bien joué. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah si, il a la Feng. Ah non, c'est la Meg qui est revenue là. Ah mais il y a la Feng aussi. Il y a la Feng aussi. Oups, là je fais nappe. Elle est partie par là-bas, ok. Peut-être qu'elle a profit. Attends, mais après, je sais pas si elle a fait. On va aller voir là-bas au cas où. C'est dommage quand même que j'ai de la masse finie. There's nobody, nobody.
à la Spring Burst, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les deux sont partis par là-bas. Hein. Donc là, il y a Feng ici. Et mec, je l'ai vu à droite. Mec, je l'ai vu à droite. Ok. Tac. Du coup, le mec, il était P1 seulement. Elle est là, mais là, on l'attrape. Elle doit être par là. Ouais. GG.